Bonsoir à tous, lundi 9 juillet, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce statut de journal. Le discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès à Versailles. Le président de la République a convoqué pour la deuxième fois de son mandat sénateurs et députés. Une prise de parole pour annoncer les grands chantiers des réformes à venir. Nous serons sur place au début de cette édition. Week-end de grand départ en vacances. Environ 200 000 juilletistes ont emprunté l'autoroute A10 samedi et dimanche. Direction le sud. Pendant cette période, le peloton de gendarmerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines est pleinement mobilisé. Reportage au cœur d'une opération de contrôle routier. Et puis elle également a fait son grand départ. Un grand départ vers la retraite. Anne-Marie Cruz a quitté ses fonctions de directrice de l'école de la Ville-Dieu à Élancourt où elle exerçait depuis 12 ans. Nous avons suivi vendredi sa dernière journée dans l'établissement. Invité de ce journal également, Guillaume Dordet du syndicat Alliance Police Nationale des Yvelines. Nous parlerons avec lui tout à l'heure de l'actualité autour de la police. Un discours de près d'1h30 devant les parlementaires. Emmanuel Macron a réuni aujourd'hui en congrès à Versailles les parlementaires, les députés et sénateurs français. Le président de la République a détaillé le calendrier des prochaines réformes, refondre notamment le régime des retraites, baisser la dépense publique, mise en place aussi d'un plan pauvreté. Le chef de l'État a également défendu son bilan. Nicolas Kirilovitz, bonsoir. Vous avez suivi ce discours d'Emmanuel Macron? Oui, bonsoir Grégory. Vous le disiez, 1h30 de discours. Sur la forme, c'est un peu plus long que prévu. Sur le fond, c'est ce qui était attendu de la part du président. Il est revenu sur ce qui a été fait cette année, les réformes lancées et celles qui vont se mettre en place à partir de l'automne et pour 2019. Parmi celles-ci, la réforme des retraites, de l'assurance chômage. Et puis, il a aussi répondu à sa critique qui se fait latente désormais depuis quelques semaines sur ce volet social qui manquerait à son action. Il a rappelé que... il n'y avait pas d'un côté l'économie et de l'autre le social. Nous sommes avec, j'ai envie de dire, presque le local de l'État, Didier Béchard, député de cette circonscription ici à Versailles. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours d'une heure et demie du président de la République? C'est un discours qui était fort et en même temps empreint d'humilité, parce qu'à plusieurs reprises, il est revenu en disant qu'on ne peut pas tout faire en une année. Qui comprenait aussi que le rythme des réformes importantes qui ont été engagées par l'Assemblée nationale pouvait parfois être mal comprise ou que le temps passait très très vite et qu'il fallait prendre ce temps de la pédagogie. Moi j'ai retenu un discours effectivement très social. Il est revenu à de très nombreuses reprises, même pour l'éducation, en insistant en fait sur le volet de vouloir sortir les jeunes de leur quartier, et c'est pour ça qu'on fait par exemple le dédoublement des classes de CP et de CE1. On a beaucoup insisté sur la lutte contre la pauvreté, la précarité, qui sera un enjeu de l'année 2019. Il a même cité créer l'État-providence du 21e siècle, en parlant également de la dépendance qui va être un grand sujet de l'année 2019, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir les familles face à l'isolement de nos aînés. Et ça va être un très, très grand chantier de l'année 2019 avec les retraites, bien entendu. Vous pensez que ce discours permettra d'éteindre les critiques qui commencent à apparaître au sein même de la majorité sur ce manque, justement, d'action sociale du président, ce président qui semble très attiré par le volet économique et peu par le volet social? Est-ce que vous pensez que ça va suffire à éteindre ces critiques? Ce qu'il faut, c'est bien comprendre que l'ensemble des réformes, en fait, c'est un bloc. C'est un bloc compact. Et quand on parle des entreprises, c'est pas pour opposer les entreprises et les salariés. Quand on parle de la précarité, c'est pas pour opposer les riches et les pauvres. Donc, encore une fois, il y a une cohérence dans l'ensemble des mesures. Et il a très bien réexpliqué sur ce qui s'est passé pendant l'année écoulée. Il fallait démarrer par redonner de l'agilité aux entreprises. Parce que s'il n'y a pas d'emploi, on va pas pouvoir travailler la précarité. La lutte contre la précarité, c'est pas donner des nouvelles aides sociales aux gens pour qu'ils restent là où ils sont, dans leur quartier ou dans leurs difficultés. C'est les aider vers l'inclusion économique et les aider à trouver un emploi, en l'occurrence. Et pour ça, on a besoin des entreprises. Donc on est vraiment dans une cohérence de politique. Il y a eu, on va dire, deux moments particuliers lors de ce discours, notamment lors de l'hommage rendu aux forces armées militaires et puis aux policiers, gendarmes sur le terrain en France. Et puis il y a eu aussi, on a l'impression, un peu ce coup réussi contre les critiques avec ce projet d'amendement sur le projet de loi constitutionnelle pour permettre au prochain congrès, donc en juillet 2019, au président de la République de répondre aux élus, aux parlementaires. Est-ce que vous pensez que c'est un coup réussi là-dessus de la part du président? C'est un coup de communication un peu réussi?
Je pense que c'est dans l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'on est avec un président qui respecte ses engagements, qui a dit qu'il viendrait faire le bilan chaque année devant le Congrès de l'action engagée et donner les perspectives pour l'année suivante. Donc ça me semble important que le dialogue puisse s'engager avec les parlementaires et les sénateurs qui sont là. Donc c'est pas du tout un coup de com', c'est tout simplement organiser le dialogue de manière sereine et qu'on puisse répondre et dialoguer avec le président de la République. Sur les soldats, je pense que, enfin, les soldats, les gendarmes, la police, c'est aussi un moment solennel quand on est au Congrès, hein, parce qu'on sait qu'on s'est réunis au Congrès dans des moments difficiles, et je trouve ça important qu'on puisse leur rendre hommage, parce qu'au quotidien, ils sauvent des vies, ils accompagnent nos familles, ils nous protègent, et c'est toujours très très important de pouvoir souligner l'importance du travail qu'ils font avec nous. Voilà, Grégory, sur ce que l'on pouvait dire du Congrès, on verra si ce discours a des effets très rapidement, puisque demain, le projet de loi constitutionnelle est discuté à l'Assemblée, il y a la conférence des territoires, et puis aussi cette conférence sociale annoncé pour le 17 juillet prochain. Merci Nicolas Kirilovitz depuis Versailles. Vous étiez avec Patrick Jacques de Dixmude pour les moyens techniques. Ce week-end, c'était la première grande salve des départs pour les vacances d'été. Environ 200 000 voitures ont emprunté l'autoroute A10 depuis l'Île-de-France, direction la province. Le peloton de gendarmerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines était mobilisé entre sanctions, prévention et sécurisation. Retour sur la matinée de samedi au plus haut du pic de circulation sur l'A10. Un reportage de Nicolas Dandry. Trafic routier dense sur l'autoroute A10 pour ce premier week-end de départ en vacances. Les gendarmes sont sur le pont, jumelles ou ultralight, différents outils pour contrôler la vitesse sur un axe limité à 130 km/h. La poursuite du véhicule s'engage, le conducteur obtempère et suit les gendarmes jusqu'à une issue de service pour procéder à la verbalisation. Vous avez été contrôlé à la vitesse de 172 km/h, d'accord, qui est inscrit juste ici. Je montre la vitesse, 172. Vous allez faire l'objet d'un procès verbal. Le conducteur en infraction recevra une amende de 90 €. Il devrait perdre 3 points sur son permis de conduire. En ce jour de départ, les personnes roulent assez vite, car ils n'ont qu'une envie, c'est d'arriver sur leur lieu de vacances. Il fait très chaud, c'est insupportable. Donc les personnes abusent sur leur vitesse, comme aujourd'hui où on a eu un 172 km/h. Autre mission des gendarmes lors des grands départs, faire de la prévention et assurer la sécurité dans des situations dangereuses. Donc on vient de voir un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc en plus, c'est à l'intérieur d'un tunnel, donc faire attention, on va les voir, tout en restant en sécurité. Surtout en situation de vacances comme ça, c'est fréquent, aussi bien au niveau des pneus crevés, des casses moteurs, panne moteur, etc. Déjà, les personnes à bord doivent sortir du véhicule, donc en sécurité, se mettre en sécurité au niveau donc des glissières de sécurité et faire que le dépannage se passe au plus vite. C'est ça, en fait, on va essayer de faire une zone de sécurité pour mettre déjà les personnes en sécurité et nous-mêmes, parce qu'on est vraiment vulnérables là sur le bord de la route. Les gens, ils sont à plus de 130 km/h. Donc si ça tape, il ne faut pas que ça tape, tout simplement. Les gendarmes du peloton de Saint-Arnoult-en-Yvelines ont constaté depuis le début de l'année un décès sur l'autoroute A10. En cause, un véhicule arrêté sur le côté de la voie suite à une panne. On accueille sur ce plateau Guillaume Dordet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale des Yvelines. Avec vous, on évoque l'actualité autour de la police dans le département, notamment la police de sécurité du quotidien déployée dès cet automne à Trappes. Parlons d'abord d'un autre sujet, c'est un rapport qui a été dressé par la commission d'enquête du Sénat sur l'état du moral des forces de l'ordre, un constat alarmant, des conclusions inquiétantes. Le rapport parle d'un malaise extrêmement profond, beaucoup de difficultés rencontrées au quotidien. Comment vous avez accueilli ce rapport ? Mais disons que dans un premier temps, déjà, Alliance Police Nationale se félicite de la clairvoyance des sénateurs qui ont mis le doigt justement sur ce que nous dénonçons depuis plusieurs années lors de nos. Ça fait plusieurs années que vous dénoncez ce genre de choses. Tout à fait. Le constat pointe du doigt notamment un taux de suicide supérieur chez les policiers par rapport à la moyenne nationale, 36% supérieur à la moyenne nationale, un mal-être psychologique, des équipements vétustes. Il y a aussi un problème sur les heures supplémentaires qui ne seraient pas payées, 22 millions d'heures supplémentaires non payées selon la commission d'enquête, un rapport alarmiste, est-il réaliste ce rapport ? Oui, c'est alarmant, mais en fait ce n'est pas surprenant, parce qu'en fait on est déjà au courant de tous ces problèmes-là. Après, malheureusement, on ne peut pas
c'est difficile de trouver une solution pour ces heures supplémentaires. Après, il va falloir trouver forcément une solution pour régler ce problème. Un mal-être psychologique aussi, dit ce rapport, c'est oui, effectivement le cas. En 2017, vous avez vu qu'il y a 51 policiers qui se sont donné la mort. Donc c'est très regrettable. Et on espère vraiment qu'on va dans le bon sens. Et en fait, on nous demande une solution à apporter pour aider justement les policiers, parce que c'est pas facile tous les jours, vous en doutez bien. On demande un suivi psychologique qui peut être important. Le climat actuel est aussi tendu, on pense forcément aux attentats, le meurtre du couple de policiers il y a 2 ans à Magnanville. Encore ce week-end, un automobiliste a foncé sur des policiers à Vernouillet, a foncé en voiture. Ça renforce aussi ce mal-être psychologique, il y a un climat tendu actuellement également. Bien sûr, avec l'actualité que nous avons eue il y a 2 ans ici dans les Yvelines, forcément ça a changé vraiment quelque chose sur la façon de travailler de nos collègues. On est beaucoup plus méfiants, enfin mes collègues sont beaucoup plus méfiants et c'est vrai qu'il y a une certaine appréhension qu'on n'avait peut-être pas avant, et maintenant ça devient vraiment, malheureusement ça devient le quotidien de se faire agresser ou d'avoir des violences sur les fonctionnaires de police. Que faut-il faire aujourd'hui? On le redit à chaque fois, c'est quoi? C'est augmenter les moyens financiers, les moyens humains aussi pour les policiers? Il y a plusieurs choses en fait. Les moyens humains, forcément, on a besoin d'effectifs, comme dans tous les départements de France. On a besoin d'effectifs et après, on a besoin de moyens financiers, effectivement, parce que quand on voit que les commissariats qui sont vétustes, les voitures de patrouille qui ont plus de 10 ans, c'est quand même compliqué de travailler dans de bonnes conditions. Alors une deuxième thématique qu'on voulait aborder avec vous, c'est la police de sécurité du quotidien, cette nouvelle force voulue par Emmanuel Macron dans 30 quartiers prioritaires, notamment à Trappes. La PSQ sera déployée cet automne dans les faits des effectifs supplémentaires, un renforcement de la prévention, des réunions aussi de contact avec les habitants. En février, votre syndicat s'inquiétait du manque de transparence sur la nature des missions, sur le nombre d'effectifs prévus pour cette PSQ à Trappes. Est-ce que vous en avez appris plus depuis? Est-ce que vous avez été peut-être rassuré? Pas du tout. Qu'en est-il? Malheureusement, en fait, on est quasiment au même point qu'au mois de février. On ne sait toujours pas exactement quelles seront les missions déployées pour nos effectifs de terrain. On attend des sorties d'école supplémentaires fin septembre, justement, pour pouvoir avoir un complément d'effectifs pour effectuer ces missions. Mais pour l'instant, c'est encore vraiment, malheureusement, tellement flou qu'on ne peut pas s'avancer sur cette question. Ça veut dire qu'il y a quelques mois de ce déploiement à Trappes, vous ne savez encore pas grand-chose finalement de cette PSQ, de cette police de sécurité du quotidien? Tout à fait. Après, les grandes lignes, ce sera de rapprocher le policier de la population, donc d'être beaucoup plus présent dans les quartiers, notamment sur la commune de Trappes. Après, il va falloir faire un gros travail, je pense que ce sera sur le long terme, pour rapprocher les partenaires sociaux, les mairies, les assistantes sociales, les bailleurs sociaux, etc., pour avoir une vraie communication avec les acteurs de la police et surtout ceux qui sont sur le terrain pour pouvoir faire des bonnes remontées d'informations. Ça, c'est nécessaire aujourd'hui, faire du terrain, être au plus proche de la population. Vous le dites, travailler en étroite collaboration avec différents partenaires, ça, c'est primordial aujourd'hui? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, malheureusement. Pour l'instant, on a déjà eu l'expérience, la mauvaise expérience de la police de proximité qui avait été voulue en 1999. On a vu que c'était finalement un fiasco. Donc là, on est plutôt méfiant sur l'avenir. On attend de voir. Qu'est-ce que vous attendez là depuis, jusqu'à ce déploiement, à Trappes, d'en savoir plus, on imagine sur... C'est ça, pour savoir exactement comment ça va se passer. Et là, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations. Merci à Guillaume Dordet d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale dans les Yvelines. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Elle était menacée de disparition, mais sauvée finalement grâce à une reprise par la direction du Val d'Oise. L'école de la deuxième chance des Yvelines offre chaque année une formation à 400 jeunes sans qualification. La nouvelle organisation a été présentée ce matin à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Nouvelle direction pour la structure qui compte 3 sites dans les Yvelines, à Trappes, Magnanville et Aumureau. Nouveau projets également qui concernent le territoire de Saint-Quentin. Écoutez ces propos au micro de Patrick Jacques de Dixmude et Carla Vigean. Avec des partenariats plus renforcés, des nouvelles activités. Exemple, on va lancer des formules métiers, c'est-à-dire que nos jeunes pourront rentrer sur des métiers particuliers, exemple la vente. On va ouvrir à la rentrée une boutique école dans le centre commercial de Saint-Quentin en Yvelines, où les jeunes pourront s'exercer pour de vrai.
à la vente et à la gestion d'une boutique avec la caisse, la queue commerciale, la chalandise d'une boutique. Donc voilà ce qu'on va présenter aujourd'hui à l'ensemble de nos partenaires. Jusqu'alors ouverte aux seuls 18-25 ans, l'école de la deuxième chance des Yvelines proposera également dès la rentrée des formations pour les 15-18 ans en décrochage scolaire. L'objectif est d'accueillir 500 jeunes dès 2019. 90 000 élèves yvelinois d'élémentaire et leurs professeurs, eux, faisaient leur dernière rentrée de l'année vendredi à l'école de la Ville-Dieu d'Elancourt. C'était aussi la dernière pour sa directrice, Anne-Marie Cruz. Après 12 ans passés dans l'établissement, elle a pris sa retraite. Mélanie Poquet a suivi son dernier jour dans ses fonctions. Bonjour. On a des cadeaux pour vous, sauf que je vais vous donner en classe. Oui, moi aussi. Merci, merci. Merci. Des cadeaux pour une occasion. Pour Anne-Marie Cruz, cette ouverture de portail est très particulière. C'est sa dernière. La directrice de l'école primaire de la Ville-Dieu à Elancourt prend sa retraite. Cette dernière année, je l'ai très, très bien vécue. J'en ai vraiment profité. Et j'ai une classe très, très sympathique. Nous avons eu plein de projets ensemble. C'est un métier, alors moi je le vis d'une façon très particulière, c'est-à-dire que quand j'y suis, quand je suis avec mes élèves, quand je suis dans mon école, je n'ai pas l'impression de travailler. Ce n'est pas quelque chose qui me pèse. Après une carrière dans le secteur privé, puis dans un lycée, Anne-Marie Cruz se dirige vers l'élémentaire. C'est en 2006 qu'elle est amenée à diriger cette école de 240 élèves. Après s'être longtemps occupée des CP, elle termine sa carrière avec des CM1. C'est une maîtresse plutôt bien, je l'adore et j'espère qu'elle reviendra un jour peut-être dans l'école. Elle était gentille, des fois elle grondait ceux qui faisaient n'importe quoi, mais c'est normal. Très gentille. Quand il fallait, elle était plus trop gentille. Et c'était très sympa cette année. On a appris beaucoup de choses. Elle était très gentille. Je la trouvais stricte aussi. J'aime bien. Et je trouve que c'est une très bonne maîtresse. 32 ans d'enseignement, 18 comme directrice. Depuis le 6 juillet, Anne-Marie Cruz a fermé ce chapitre de sa carrière professionnelle. Les élèves, eux, sont partis pour 2 mois de vacances. Avant de se quitter, un tournoi international de football féminin, il se tenait hier à Montigny-le-Bretonneux. Vous retrouverez un reportage sur ce sujet cette semaine dans le journal. Nicolas Dandry a profité de l'occasion pour faire le tour des pronostics sur les demi-finales de la Coupe du Monde de football en Russie. Quel vainqueur pour France-Belgique demain, Croatie-Angleterre mercredi, qui soulèvera le trophée en finale. Écoutez ce qu'en pensent joueuses et entraîneurs français, mais aussi britanniques présents sur place. Pour moi, c'est la France qui va gagner. Pour moi, il y aura 3-2 pour la France. Buteur Mbappé et doublé de Griezmann. Et chez la Belgique, un de Lukaku et un de Hazard. 2-1 pour l'équipe de France, avec un but de Mbappé, un but de Pogba. Clairement, mon cœur va pour la France. Je pense que la France gagnera 3-1. Et puis en finale, je pense qu'elle rencontrera l'Angleterre. Je pense que nous allons battre la Croatie au tir au but, car nous sommes très bons au tir au but. Et bien sûr, nous rencontrerons la France en finale. Je pense que l'Angleterre va battre la Croatie. Et le trophée reviendra chez lui. L'Angleterre va gagner la Coupe du Monde. C'est la fin de ce 7-8 journal. Dans un instant, ne manquez pas la dernière de la saison du 7-8 sport. Mickaël Elmidoro vous proposera une rétrospective et un bilan de la saison sportive dans les Yvelines. Belle soirée sur TV78.